Et bonsoir les gens, c'est Wooly, on se trouve pour un tout nouvel épisode de notre Let's Play sur le DLC de Pokémon Épée. Donc, je vous avais laissé dans cette forêt, est-ce que je peux avoir accès à la map? Comment on fait la map déjà? J'ai oublié. Voilà. Alors, il faut qu'on aille ici. Il faut que je traverse toute la forêt, que j'arrive à plein des efforts, et que j'arrive ici. Oh, ça doit se faire. Donc faut que j'emprunte ce pont. Oh, un golet. Ah oui, c'est vrai qu'il y a des sacs de nœuds ici maintenant. Ok, bonjour. Ouais, non, c'est par là que je viens. Non, là c'est l'entrée de la forêt. Donc faut que j'aille à l'opposé. Ouais, là c'est juste une plage. Mais il y a un Red Dynamax, donc ça m'intrigue. Un Lockpin et un gros Pokémon, j'ai entendu. Non, c'était Magnétide et Psycho-Quack. Ah, ça fourmille de Pokémon, j'aime bien ça. Hop. Voilà, on récupère plein de watts. Spectre Sol. Ah, c'est pas le château de sable là? Ouais, bof, hein, on s'en fiche. Ouais, bof. Je suis pas convaincu. Peut-être une autre fois. Oh, un Deden. Aïe. J'avais quasiment oublié l'existence de ce Pokémon. Allez, petite lame de roc. Ah oui, c'est vrai que je dors. Oh zut. Allez, on y croit. Et voilà. One shot en 5 tours. Ah, bizarre, passe au niveau 27. Allez. On repart dans la forêt. Et là, on va avancer doucement. Pour éviter de la cramer. Une morsure, ça devrait le tuer, non? Presque. Ça devient limite, hein. Faudra que je me soigne après. Voilà. Allez, on court. Oh, des nogru. Ça veut dire que je peux me refaire des Pokéball avec? Oh, ça serait cool ça. On verra, peut-être ça se trouve, il y a Fargaz dans le. qui se cache dans l'île. Vu qu'on est dans une forêt, je vais peut-être mettre Flambusard en premier plan. Ça serait plus logique.
J'ai cru que c'était un Scarino en face de moi, je l'ai l'attraper. C'est un dresseur ou c'en est pas un? Non, c'est pas un dresseur. Qu'est-ce que tu me montres? Flingouste. Ok. J'ai beaucoup de branches galanois. Je crois que ça me permet de faire évoluer. Oh! Est-ce qu'on veut l'attraper lui? Moi je serais chaud, hein. On n'avait pas accès à des Pikachu avant. Oh, je sais plus. Enfin, à part avec les 20 et les Gigamax Pikachu là, mais. Je m'en rappelle plus du tout. Bah, go essayer de le capturer, hein. Oh. Trop mignon. Pika! Allez, aéropiqué. Ouh, ça va faire mal ça. Allez. C'est pas grave. Tout est calculé. Allez, une petite Pokéball. Oh non. Allez, laisse-toi capturer. Ok, c'est bon. Est-ce que ça en valait le coup? Je ne sais pas. Mais je suis content. Bon, maintenant on va soigner mes Pokémon. Alors, c'est où le bout de cette forêt? Ah, peut-être ici. Est-ce que c'est ici? Oui, c'est là. La plaine des efforts, donc faut que je monte cet escalier-là. Mais c'était pas un chemin plus rapide de passer par la grotte au début du jeu? Oh là, des tauros. Qui s'en agressait. Un insécateur. Ok, j'explore un petit peu, hein, je vois les Pokémon qui traînent autour. C'est pas mal tout ça. T'es qui toi? Tiens, un dresseur, on ne croise pas souvent ici. Moi, c'est Troudad, enchanté. Je suis le père des Troubrothers, que tu as peut-être eu l'occasion de rencontrer. As-tu déjà entendu de parler de l'armurium? C'est un minerai rare que l'on trouve quasiment à l'armure. Si ça t'intéresse, je peux aller déterrer des watts à la force de mes bras, en échange d'armurium. Juste pour cette fois, je peux déterrer des watts sans te demander d'armurium. Vas-y. Bon, les centimètres. J'ai trouvé 1500 watts. Je continue de creuser. Vas-y. Encore. C'est bon. Ah oui, c'est efficace.
Ah, c'est ici qu'il y a les champignons. Et des ossatures. Enfin, des osselets plutôt. Bon, je suis pas intéressé par capturer des osselets, mais... C'est bon à savoir qu'il y en a. Ah, c'est ça les méga champignons, là. Ce sont des maxi champignons sauvages. Voulez-vous les cueillir? Oui. Allez, pépé, pas si vite. Oh, encore c'est fort. Ah, hein. Oh, attends. Laisse-moi respirer. 2 secondes. Ah, il y a 3 champignons qui poussent au même endroit. Mais c'est pas du jeu, ça. En tout cas, j'ai vu ce maxi champignon à première. Et en plus, c'est moi l'aîné ici. Alors sois sage et laisse-moi les cueillir, d'accord? Jamais! Je savais que t'allais dire ça. En fait, c'est quoi? Tu me gonfles. Tu débarques comme ça, tout jeune et balèze, comme si le monde t'appartenait. Si t'as cru que j'allais me laisser mettre des bâtons et roues, tu te mets toi dans l'œil. Mais genre jusqu'au coude. C'est fou, la tosseuse veut se battre. Ah, elle a 3 Pokémon cette fois-ci. Elle a un Rambolos. Pour lui, on l'avait déjà soulevé, il est type psy. T'as pas l'air d'avoir compris qui était la boss ici. Donc mettons les choses au clair. Allez, aéropiqué pour commencer. En temps, je peux tester ma nouvelle team. Ah, je suis un petit peu moins fort qu'elle. Mais je pense pas que ça nous posera de gros problèmes. Allez, un dernier lance-flamme. Et il est KO. Putain, je joue pas trop vite. C'était vraiment qu'un coup de chance. Ok, mon Rambolos passe au niveau 61. Herbizarre passe au niveau 29. Elle m'envoie un Smogo. Smogo, on va changer, on va mettre... Lugarok. Allez, Lugarok. On va commencer avec un Kuba. On enchaîne sur une morsure. Malheureusement, j'ai plus de lame de roc. Allez, il est presque KO. Bon, c'est un peu un combat d'attarder, mais on en voulait pas. Hein. Faudra vraiment que je leur apprenne des bonnes attaques plus tard. Un scobolide. Allez, go rythmique. Parce que ça fait longtemps. C'est encore moi qui perds. Mais je suis si nul que ça. Alors, on va commencer par un Bank Sonic. Alors, ça pique, hein. Et c'est pas fini, mon gars. Pas de problème, hein. Elle a un petit Dark Laria. Et il est KO. Je vais vous l'enchaîner sur une surpuissance, mais bon, pas grave. Et Herbizarre passe au niveau 30. Il veut prendre tout parfum, Osef.
Pourquoi c'est toujours toi qui gagne? Mais pourquoi je perds à chaque fois? Je m'entraîne de ouf et c'est ça le résultat. Mais qu'est-ce que t'as plus que moi à la fin? T'as qu'à les garder, Champi Max. Je vais en trouver d'autres bien plus stylés de toute façon. Ok, vous recevez 3 Maxi Champi. Maxi Champi, un champignon pouvant modifier l'apparence des Pokémon Dynamax, utilisé en combat, il augmente tous les stats d'un Pokémon. Oh, c'est plutôt fort ça. Allô Willy, tout va bien? T'as réussi la deuxième épreuve? Les dos dans le nez. T'as déjà trouvé les 3 Maxi Champi? C'est fou, t'es le premier à en avoir trouvé. Je viens de contacter les autres. Et ils sont encore loin du compte. Décidément, t'entames ton entraînement de jeu avec ce chapeau de roue. Je vais commencer à préparer le bouillon en attendant ton retour. Fais bien attention à toi, et à tout à l'heure. Ok. Vous avez trouvé tous les deux Pika qui se cachaient dans la voie des étirements. Ok. J'ai pas envie de dire que je m'en fiche un petit peu, mais... mais voilà quoi. Je sais pas ce qu'il y a ici, donc on verra plus tard. Il y a un masque aimant. Un bagiguan. Ça me rappelle le désert de la 5G. Ah, oh, c'est bon souvenir. Un jour, on fera un let's play sur la 5G. Peut-être à la fin de l'année. On verra si tout va bien. Allez, on va rentrer, je finis juste de voir ce qu'il y a là-bas. Un rhino féroce, une CT, un objet caché, un dunaconda un peu pété. Ok. Et là, encore un dunaconda. Ah, flemme de lancer un raid Dynamax à cette heure-ci, donc on verra en off. Alors, est-ce qu'on va pouvoir la manger cette maxi soupe? T'en voilà mon petit Willy. T'as trouvé des maxi champis? Bravo, ou GG comme disent les jeunes. Tous les autres disciples se sont malheureusement perdus dans la forêt pendant leur recherche. Ils ont donc passé plus de temps à chercher de la sortie que des maxi champi. J'ai bien peur que vous ayez tous échoué à cette épreuve. Enfin, sauf Willy évidemment. Bref, j'ai faim. Allons voir plutôt ce qui se passe en cuisine. À la soupe! Et voilà, elle est parfaitement assaisonnée. Il n'a plus qu'à ajouter les maxi champis que tu as gentiment apporté. Patron, attendez! C'est Fora? Eh bien, que t'arrive-t-il? Phew! Moi aussi j'ai trouvé des maxi champis. Vraiment? C'est merveilleux ma petite Sephora. T'es la deuxième à avoir réussi l'épreuve. Ouais, j'ai réussi! Voyons Sephora, il n'y a pas de quoi pleurer. Bravo à toi. Maître, patronne, est-ce que je peux vous faire un tout petit caprice pour une fois? Vous pouvez utiliser le maxi champi que j'ai apporté pour préparer la maxi soupe? Je veux que tout le monde puisse goûter le fruit de mes efforts. Sephora. Il n'y a absolument aucun problème. Bah oui, moi comme ça je me garde les champignons, vu que ça a l'air pété et rare. Par contre, je me dois de souligner que c'est loin d'être ton premier caprice. Patronne, vous êtes la meilleure. Merci. Mais non, ça me dérange pas. Oui, pas de problème. Oula, il y a des nuages bizarres là. C'est prêt. Voici la spécialité du dojo de la maîtrise, la maxi soupe. Miam, bon appétit les enfants.
Vous buvez une grande gorgée de maxi soupe. En fait, je t'ai pas encore tout dit sur les incroyables effets de cette soupe. Lorsqu'on avale une grande lampée de la maxi soupe du dojo de la maîtrise, vous ressentez une énergie se propager en vous. Serait-ce la puissance du Dynamax? Il se passe absolument rien de spécial quand on est humain, donc rassure-toi. Par contre, si un Pokémon en boit, les effets sont spectaculaires. Si le Pokémon en question a un potentiel, il pourra se gigamaxer ou se dynamaxer, et ainsi revêtir une nouvelle apparence. Dorénavant, il y aura toujours un disciple chargé de papa cette soupe de la cuisine. N'hésite surtout pas à lui parler si tu veux qu'il te concocte une maxi soupe. Sur ces belles paroles, encore bravo à vous de devoir réussir à la deuxième épreuve. Et merci pour la bonne soupe. Ok. Je peux aller papoter avec le mec du coup? Oh oui. Pourrais-tu passer me voir dans le salon tout à l'heure s'il te plaît? Alors. J'ai tenté un truc. Eh hey, Willy, tes Pokémon ne voudraient pas un peu de maxi soupe? Si. Ça en fait des Pokémon. Ben, pour l'instant, je n'ai que algorithmique. Avec la maxi soupe, algorithmique pourra se gigamaxer. Il me faut 3 maxi champis pour en préparer. C'est bon pour toi? Oui. Ah, j'ai hâte de voir ça. Préparez-vous, hein, quand il y aura un combat en Gigamax, je sortirai l'algorithmique. Merci à vous deux d'être venus, mes chers disciples. Aucun problème, maître. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voyez-vous, je vous ai demandé de me retrouver ici pour vous expliquer le déroulement de votre prochaine tâche. J'ai nommé l'épreuve 3, l'ultime dénouement du dernier épilogue volume final. Oui? Pardon? Donc on parle juste de la dernière épreuve en fait. Ouais. Bref, vous êtes les seuls à avoir réussi à la deuxième épreuve. Tous vos efforts vont nous permettre de vous hisser ensemble jusqu'à cette dernière étape. Mais il est désormais temps de vous départager. Comment, me demanderez-vous? En vous affrontant, bien sûr, au cours d'un combat de Pokémon Dynamax. Hein? Un combat? C'est ça l'épreuve finale? Exactement. Les règles sont un peu plus simples. Remporter la victoire, c'est gagné. Le vainqueur de ce combat recevra une armure secrète du dojo de la maîtrise. Enfin, je suis à deux doigts d'arriver au top. Mais... L'épreuve se déroulera sur le terrain de combat, derrière le dojo. Comme il est situé sur une source d'énergie, vous pourrez dynamaxer vos Pokémon. Allez, pas une seconde à perdre. Mieux vaut que j'aille sur place le plus vite possible pour me préparer mentalement. Bon allez, je file. Des bisous. Et oh, au fait, te sens surtout pas obligé de te dépêcher, hein. Vas-y, mollo comme un ramolos, ok? Y'a pas de problème. Tu sais, la petite Sophora est une dresseuse de talent, mais elle a toujours eu du mal à se faire preuve de sérieux au dojo. J'ai pourtant toujours su qu'elle pourrait faire de grandes choses avec un peu de volonté. Et depuis que tu es là, elle a enfin trouvé cette motivation qui lui manquait cruellement. Alors j'espère que cette rivalité l'aidera à s'épanouir en tant que dresseuse. Toutefois, il ne faudrait pas que cette soudaine motivation l'écarte du droit chemin. Vous inquiétez pas, j'ai compris le message, je vais la défoncer comme jamais. Mais avant... On va juste s'entraîner 2 secondes et faire évoluer mon Ramolos. Et pour ça, je sais où aller. Normalement, c'est une des îles qui est autour de Isolarmure. Donc on va y aller. Et après, je vous fais ce combat. Allez, on y va. Il fait sombre d'un coup, ça fait peur. Par contre, je sais pas en quelle île se trouve le truc pour faire évoluer le Ramolos. Mais on le découvrira bien assez tôt. Dis,
Tu sais ce qu'on peut faire en dressant une broche de Galanois? Des bracelets. Si tu m'apportes 8 broches Galanois, je pourrais fabriquer un bracelet Galanois. Voilà. Normalement, j'ai assez de Galanois. Tu dois bien aimer ce Pokémon. Tiens, je pense que ça devrait te plaire. Un pull à col rond. Ok. C'est plus parfait pour faire le mardi tranquille à la maison. Si tu m'apportes 8 broches Galanois, je pourrais te fabriquer un bracelet Galanois. Oui. Très si, très ça, j'aime les Galanois. Ah. Un bracelet confectionné à partir de branches Galanois. Les rameuses de Galar adorent emporter. Bon bah j'ai compris le message hein. Hop. Et voilà. Notre Amolos évolue. En Flagados de Galar. Alors, Flagados, le Pokémon de symbiose de type poison psy. Un nouveau type dans le jeu. Le stimulus d'un morceau de coquillage a déclenché la réaction chimique des épices venues dans le corps de Flagados, lui donnant le type poison. Ok, est-ce qu'il apprend une attaque? Il apprend coquillarme. Oui. Ça a l'air plutôt puissant. Donc à la place de vibre-soin. Voilà. On a un Pokémon qui fait le taf. Et du coup, je vais retourner au dojo, je m'entraîne un tout petit peu et on va affronter Sephora. A tout de suite. Ok, on est prêt pour le combat. J'ai bien entraîné ma team. Merci aux bonbons XL et L d'expérience. Ça fait du bien d'avoir Red Lady Namax quand même. Parce que là, ça me permet de bien level up facilement. Zero Aura, je ne pense pas que je vais jouer. Par contre, tous les autres, c'est quasi sûr. Je vais commencer par Lugarok, hein. Ils ont tous appris de nouvelles attaques, mais je vous laisserai découvrir pendant le combat. Et du coup... Oh. C'est calme. Ah oui, il est fat le stade. On va faire une petite sauvegarde quand même au cas où. Voilà. Te voilà. Je t'explique le plan. 1. Je te bats. 2. J'obtiens l'armure secrète. Et 3. Je deviens champion d'arène de type poison. Il est hors de question que je perde face à toi, alors que je suis si proche du but. Je vais tout donner cette fois-ci. T'es prêt à morfler? Oui. Amène-toi ma petite Sephora. Alors on peut commencer? Bon courage. On est tous avec vous. Approchez, enfant. C'est l'heure de l'épreuve finale. Ah, ça fait tellement un air de arène. À vos marques. Prêt. Fightez. Ah. Ok, elle a 4 Pokémon. Ils sont tous encore faibles. Je peux dynamaxer, mais je pense que je vais dynamaxer plus tard. Tu vas voir de quoi je suis réellement capable. On va régler ça ici et maintenant. Au fait, il y a peut-être quelques pics toxiques qui traînent par-ci par-là. Donc attention à tes pieds. Ah! Mais c'est de la triade. Tiens, mange-toi ça. Pour la peine. Pardon mon petit Pokémon, c'est ma faute, j'aurais dû le voir venir. Tiens bon.
C'est pas une grosse adversaire, hein. Allez, petite lame de roc. Et il est KO. Florizarre passe au niveau 65. Elle m'envoie un Smogogo, on va changer de Pokémon. On va passer à Flagados. Alors déjà on va tester la nouvelle attaque, Coquille Arme. Même si je sais que ce sera pas efficace. Yes, en plein dans le point faible. Ah quoique, ce nouveau coup de gala, il est pas type fée. Il est juste type fée. Je sais plus. Bon allez, psycho. Ah oui, oh là là, mais... Il est pas trop mal, hein, Flagados de Galar, je trouve. Déjà qu'il me semble que Flagados de base était pas trop mauvais. Je passe au niveau 66. Il m'envoie un Scobolide. On va mettre Flambusard. Comme ça, on voit toute la nouvelle team à l'œuvre, donc c'est pas mal. Allez, surchauffe. Et c'est le one shot. Et vous en pensez quoi de notre nouvelle team? Pas mal, hein. Et allez, pour la fin, on va mettre... Go Ethmic. Pour voir son Gigamax. Même si Florizarre en a un nouveau aussi. Je préfère voir Go Ethmic. Hors de question que je passe ce combat. Même avec un seul Pokémon, je gagnerai. Mouais. C'est quoi ça? Pas action Gmax. Ah, je vais peut-être commencer par Paction G-Max et après faire un Sinistro Max. Allez, vous êtes prêts à le voir? Ah, il est quand même stylé, hein. Et sa nouvelle attaque? Ah ok, elle dit max elle aussi, ou gigamax, je sais pas. Non, c'est juste un dynamax. Stylé. C'est plutôt stylé. Mais ce n'est pas le terrain feuille. Ouh, ça va faire mal ça. Ouais, j'ai pris bien cher. Allez, Sinistro Max. Il est presque KO. Je sais pas si moi je tank une prochaine attaque. Je suis pas sûr. Non, je suis KO. C'est pas grave. Au moins on a vu Go Ethmic à l'œuvre. On aurait pu le battre si j'avais pas voulu tester Percussion G-Max. Mais bon. Oh, le Garrock, il fait le taf, il est rapide.
Allez, finis-le avec une mâchouille. Et voilà. Je lui ai grignoté le doigt de pied et il est KO. Et vous avez vaincu Sephora Adresseuse. Mais pourquoi à la fin? J'ai tout donné. Qu'est-ce qu'il me faut de plus? Le combat est terminé. Et notre petit Woody remporte la troisième épreuve. Oui, bravo, félicitations. You. J'ai perdu. Même en trichant, je n'ai pas pu t'arracher la victoire. Je me doute que quelqu'un avec un talent inné comme le tien puisse comprendre, mais j'ai vraiment tout donné cette fois. Et j'ai perdu. Je me sens complètement vidé. Je crois que l'univers m'envoie un signe. Je ferais mieux d'abandonner mon rêve. De toute façon, après ce qui s'est passé aujourd'hui, ce n'est qu'une question de temps avant que je fasse virer du dojo. Du coup, je t'en voudrais pas si tu me balançais. T'inquiète, tout raconter au maître, je m'en fiche. Non, je suis gentil, je ne dirai rien. Le petit Woody montre autant de bienveillance envers ses Pokémon qu'envers ses rivaux. Et c'est là que se repose toute sa force. Maître, j'ai une part de responsabilité dans ce qui s'est passé, donc j'aimerais également m'excuser. Sephora, tu ne t'es pas battu à la loyale au cours de cette dernière épreuve. Mais au fond, je sais que tes actions découlent d'un puissant désir de t'améliorer. Et c'est tout ce que j'attends de mes précieux disciples. Ok, ta punition consiste à t'occuper des Pokémon dojo toute seule pendant 6 mois. C'est tout. Enfin, c'est sévère comme punition. Mais vous êtes sûr que ça suffit? Si je te le dis, ce sera une belle occasion de te renforcer ton mental, d'accord? Oui, maître. C'est bon, les enfants. Vous pouvez venir féliciter vos camarades. Vous avez été absolument formidables. J'en avais les larmes aux yeux, au point que de ne pas avoir bien vu la deuxième moitié du combat. J'étais tellement beau qu'on a pleuré. Mon petit Woody, même si tu as combattu dans des conditions défavorables, tu as réussi à l'emporter. Bravo. Et encore, je peux jouer avec ma vraie team. Puisque tu es venu au bout des trois épreuves, j'aimerais te remettre l'armure secrète du dojo de la maîtrise. Mais ne faisons pas ça ici. Rejoins-moi, dojo. Allez, il est temps de rentrer, enfant. Oui. En fait, c'est... Tiens. Vous avez obtenu la carte de ligue de Sephora. Oh, je vois à quoi elle ressemble. T'as géré. Voilà, je l'ai dit. Ah, montre-moi ta carte. Ok, c'est pas étonnant. Ça lui correspond bien. Bon. Eh bien, moi, je vais vous laisser là pour cet épisode. Hein. Je vous laisse un petit suspense. On verra dans le prochain épisode qu'est-ce que c'est la récompense. Moi, je crois savoir ce que c'est. Mais je ne vous dis rien. Je vous laisse la surprise pour la semaine prochaine. Du coup, je vous dis... Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très vite pour la suite de notre Let's Play sur Pokémon épée. Et d'ici là, je vous dis à très bientôt.